Elle me mettait des roustes, je n'y fais, pour deux pour son frère Jonathan, il balance. Plongé en enfance, le 10 novembre 2022, pour Jonifée. La chanteuse a accepté de participer à l'émission en week-end avec. Point et a fatalement signé, en même temps, pour de tendres confessions et d'autres un peu plus gênantes. Promenade, vers en terrasse, gueule-t-on pendant 48 heures, elle a tout partagé avec Hélène Manarino. La présentatrice du programme, et a même eu droit à quelques visites surprises. Ses meilleurs amis se sont portés volontaires pour venir parler d'elle, de leurs liens et de leurs aventures. Son petit frère, Jonathan, est également apparu dans le show de TMC. Jonathan et Jonifée. Si vous aviez la télévision dans les années 1980, et que vous êtes déjà tombé sur la série Pour l'amour du risque. Vous savez que ces deux-là étaient destinés à faire les 400 coups. C'est ce qu'a raconté le jeune homme. Lors d'une très rare apparition, décrivant au passage la manière adorable dont ils se réconciliaient après une dispute. À l'aide d'un petit papier glissé sous la porte de la chambre, pour savoir s'ils étaient toujours frères et sœurs. On s'embrouillait très souvent et après on était trop fiers pour aller l'un vers l'autre. Se souvient-il? C'est plus moi qui revenais vers elle. J'étais plus petite aussi. Elle me mettait des roustes et c'est moi qui revenais vers elle. Si elle participait à l'émission en week-end avec, c'est parce que Jonifée assure actuellement la promotion de son nouvel album. Numéro 9, composé de 12 chansons. Parmi ces titres inédits, l'artiste de 39 ans a glissé un morceau que son frère Jonathan devrait laisser loin de ses chastes oreilles. Puisqu'il est très coquin de manière très assumée. Après tout, prendre soin de lui. Malgré les coups de sang, les coups d'éclat, a toujours été une mission pour elle. J'étais un peu peau de vache avec mon frère surtout, mais pas à l'extérieur. Précise-t-elle. À l'extérieur je le protégeais, c'était mon petit frère. Guillaumet.